Eh bien le bonjour à toi, maudit pirate. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la fable numéro 4 de Pirate Life. N'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a des timers. Et c'est parti pour Frères de l'Ombre. Pour ce faire, on va devoir aller tout au nord de la map, au nord de Smuggler Bay. Et la forteresse se situe ici. Vous allez devoir entrer par la grotte, l'entrée est par ici. Vous rentrez à l'intérieur, une fois dedans, Jack vous parlera, vous expliquera qu'il s'est déjà infiltré et qu'il a l'item pour entrer à l'intérieur de la forteresse. Une fois que vous avez passé la porte, tout de suite sur la gauche, vous aurez le premier levier. Il est important de le faire dans l'ordre comme dans la vidéo. Une musique se déclenchera si la combinaison est exacte. Ensuite, vous allez sur la droite, dans le coin où il y a des bouts d'épave, et derrière une algue, vous trouverez le premier livre. Vous continuez votre chemin, vous suivez Jack, et tout de suite sur la gauche, sur le corail, vous trouverez le deuxième journal. Vous continuez votre route, et Jack vous ouvrira la trappe mystérieuse pour accéder à la prochaine zone. Pour entrer, vous utilisez le geyser qui vous expulse sur le haut. Vous prenez la poulie, ramenez la poutre de bois vers vous, vous sautez dessus, vous avancez pour sauter de l'autre côté. Vous descendez et derrière le caillou, il y aura le troisième journal. Vous continuez votre chemin, vous montez l'échelle, empruntez le toboggan, vous pouvez faire des droites-gauches pour changer de chemin. Une fois devant le Hollandais volant, vous prendrez sur la droite et sur le mur, vous pourrez voir le premier levier. Vous passez ensuite sous le navire et sur un mur identique, vous trouverez un deuxième levier. Ensuite, vous allez vers l'avant du navire et le dernier levier et la combinaison est parfaite. Vous montez ensuite sur le Hollandais volant. Vous allez dans la cale et sur la table de la carte, vous ramassez la dague. Jack vous dira qu'il vaut mieux qu'il la prenne lui au cas où qu'il y ait une malédiction. Cela va ouvrir la porte. Une fois fait, vous rentrez à l'intérieur et directement sur la gauche, vous trouverez un autre journal. Vous allez ensuite ramasser la partition dans les mains de Jack et accéder à l'orgue. Comme vous pouvez le voir, l'orgue se jouera sur cette touche. Vous reconnaîtrez la première touche grâce à l'usure et vous rentrez la combinaison. Une fois la combinaison réussie, un combat va s'engager. Utilisez les canons pour détruire tous les monstres. Certains aborderont le navire, tuez-les également, terminez toutes les vagues pour débloquer un achievement. À l'arrière du navire, une porte s'ouvrira, empruntez-la et plongez au fond jusqu'à trouver une cage, et dans cette cage, vous trouverez un journal de plus. Attention toutefois, des sirènes vous attaqueront, tuez-les pour prendre le journal en toute sécurité. Ensuite, coupez les cordes qui retiennent les bouts d'épave pour les faire remonter à la surface. Grimpez dessus, avancez et sur la droite, vous trouverez un levier. Continuez sur la droite le long de la falaise et derrière la cascade, vous trouverez un autre levier. Et le dernier levier, il va falloir que vous replongiez là où vous avez coupé les cordes entre la roche et le corail. Remontez ensuite sur les bouts d'épave, avancez et sous l'échafaudage, vous trouverez un journal. Montez ensuite l'échelle, utilisez la poulie qui fera descendre un morceau d'épave. Allez à cet endroit, Jack ouvrira la porte et vous pourrez continuer vers la prochaine zone. Avancez et vous arriverez, comme dans la fable 2, à un endroit où il y a des statues de sirènes où il va falloir ajuster les bras. Il manque un cœur de sirène. Après un discours, Jack passera de l'autre côté pour vous donner le cœur de sirène. Mettez-le sur la statue, ajustez les bras et validez avec la sirène derrière vous. Une fois fait, la porte s'ouvre, vous pouvez rentrer dans la zone suivante. Une fois de plus, des dessins de sirènes sur les murs, il va falloir ajuster les bras, utiliser la poulie pour remonter le morceau d'épave afin d'accéder aux autres sirènes. La sirène se trouve toujours à proximité des dessins. Il y en aura une sur la gauche et vous en trouverez une sur la droite. Validez avec la sirène droit devant sur la hauteur. Remontez l'épave avec la poulie si elle est descendue. Et sauter pour accéder de l'autre côté. Une fois descendu, en montant sur le premier mât, vous trouverez un levier. C'est une combinaison de 1, 3, 2. Vous accédez à la deuxième poutrelle et tout au bout, sur le mur, vous trouverez
le deuxième levier. Revenez ensuite en arrière et sur le mur à gauche, vous trouverez le troisième levier. Et la combinaison est remplie. Poursuivez votre chemin, une fois de plus, des sirènes à ajuster avec les bras. Et validez avec la sirène derrière vous au fond. La porte s'ouvre et on continue d'avancer. Sautez dans l'eau et sur la gauche, vous trouverez un journal. Attention tout de même, un combat s'engage. Tuez les monstres pour passer à la suite. Il faut arriver à la porte avec la tête de Davy Jones. Utilisez le geyser pour monter sur l'étage. Prenez votre fusil ou votre pistolet pour tirer la corde, ce qui ouvre la porte et vous donne accès à la prochaine zone. Montez, utilisez le bouton pour ouvrir la porte aquatique. Passez au travers et vous arriverez dans une zone encore avec des sirènes. Comme d'habitude, on ajuste les bras. Et on valide avec la sirène. L'eau va monter. Une fois qu'elle est montée, allez sur la gauche. Vous trouverez un autre journal. Une fois fait, dirigez-vous vers la droite. Contre le mur, il y aura un levier. Empruntez la porte. Et dans la prochaine zone, escaladez les poutres jusqu'à arriver à droite où vous aurez un levier. Descendez dans l'eau du lagon. Activez le dernier levier. Et vous aurez fini avec les dessins muraux. Utilisez maintenant la poulie pour lever la poutre et retournez en arrière pour utiliser la seconde poulie pour monter l'autre main. Vous montez et vous utilisez le toboggan. Une fois en bas, avancez dans la grotte et arrêtez-vous. Il ne faut pas qu'on vous voie. Une réunion secrète est en cours, espionnez-les jusqu'au bout pour débloquer un nouvel achievement. Avant de descendre dans la pièce, regardez sur la droite, vous aurez un autre journal. Descendez dans la pièce, allez à côté du fauteuil de la personne mystérieuse pour trouver le dernier journal. Avancez ensuite vers cette énigme, la combinaison est requin, sirène, trident, triangle, et navire. Prenez la clé du coffre trépassé et allez à l'autre bout de la pièce pour trouver le coffre et prendre le parchemin mystérieux. Continuez d'avancer et dans la prochaine zone, le combat final va s'enclencher. Équipez-vous, rassasiez-vous en nourriture, en munitions, prenez un trident, exterminez tous les monstres, ce sera un combat épique. À un moment donné, Jack vous demandera de l'aide pour abaisser une poutre. Allez devant l'épave et utilisez la poulie afin d'abaisser le morceau de main. Réutilisez-la pour le faire monter. Une nouvelle vague de monstres arrivera. Terrassez-les jusqu'à ce que Jack demande à nouveau votre aide. Avancez vers le collectionneur d'or et Davy Jones pour trouver une nouvelle poulie afin de tourner le main pour que Jack ait accès aux ressources. Une fois de plus, une nouvelle vague arrivera. Tuez les monstres. Et enfin, le collectionneur d'or apparaîtra. Finissez-en avec lui. Terrassez-le. Et lorsque Jack, dans sa maladresse légendaire, finira accroché au bout d'une corde, découpez la corde pour libérer Jack. Il vous fera tomber du ciel des canons que vous pourrez utiliser pour tirer sur le bouclier. Vous mettrez fin au rituel et vous mettrez fin à l'histoire. Vous avez fini la fable à 100%. GG tout le monde. Bravo à tous. Utilisez le portail aquatique pour ressortir et retourner à votre navire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour sur Twitch, et je vous dis à bientôt, maudits pirates !